On creux, désolé, ça crache, je sais pas pourquoi. Si, j'en ai testé, mais là c'est mon premier run si tu veux, et puis j'ai pas les compétences d'esprit pour pouvoir tous les tester en fait. J'ai pas encore assez monté l'esprit pour pouvoir utiliser les autres. Parce que bon, tester les autres esprits, si tu veux, sur le principe, ça me dérange absolument pas. Ce qui me dérange un petit peu plus, par contre, c'est le fait de pas pouvoir les exploiter parce que j'ai pas, parce que j'ai pas up les trucs, quoi. Enfin, parce que j'ai pas assez de compétences pour pouvoir les exploiter. Donc, en gros, il restera toujours des trucs. Faudrait que j'aille. Là, je vais monter. Là, je vais continuer à monter la magie jusque 15, histoire de pouvoir utiliser quasiment ce que je veux. Et puis l'esprit, je pense lui, par contre, le monter vers 20, quelque chose comme ça. Le monter la force assez haut, je trouve 25. Parce que je me suis dit que ça pourrait être pas mal de frapper fort.
Mais j'ai pas l'impression que les 5 points que j'ai rajoutés aient vraiment une utilité pour l'instant. Pour l'instant, vu que c'est un run découverte, si tu veux, c'est plus le fait de voir ce qui va réellement être indispensable ou pas dans mes prochains runs. Pour le New Game Plus, par exemple. Ah, je suis bloqué. Salut Gungrave, bienvenue sur le stream. Ouais, j'ai vu. J'en ai déjà utilisé un, justement. Parce qu'au début, j'avais pas. J'avais mis ça un petit peu à l'arrache. Faut dire ce qui est. Et j'en ai un deuxième, je sais pas d'où il sort par contre. J'en ai acheté qu'un.
Mais généralement, quand je dois tester d'autres builds, je suis plutôt du genre à refaire un run en fait. Non, de l'autre côté par contre ça doit être fermé, puisque c'est par là que je tombe, il doit pas y avoir autre chose. On va dire que j'avais pas vu toi non plus là-bas. Oui, et mes pinceaux ils sont où là? J'ai tout utilisé? J'en ai utilisé que deux. Ah bah non, ils sont là. Tiens, je connaissais avec la hache, mais je connaissais pas avec l'épée. とは違う。
よからぬものが紛れ込んでおるようだ。くしょう、帰り討ちに遭うとは。おとなしくあそこにいりゃよかった。Regardez s'il y avait un autre mur caché ici. Je vais jeter un œil. J'ai pas vu de choses dans le level design qui laissait à croire qu'il y en avait un. Mais vu que je passe assez vite, en fait, jamais. C'est pas le temps de regarder, c'est pas le temps que ça prend de regarder s'il y a un mur à des yeux. Ça devrait se voir assez facilement. Donc ça devra sûrement être pour le shortcut pour le boss. Donc pour l'instant je pense que je peux continuer comme ça. Là il y a encore un cristal, donc encore un trou. Faut que j'arrive à faire ce réflexe de récupérer mon ki, parce que j'y pense jamais en fait. J'y pense, mais j'y pense avec quand je back en fait.
comment t'es trop mal caché, toi. Je suis revenu sur mes pas là. Gagné. 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 Oui, ok, d'accord. Le machin, il n'a pas compris. Allô, je suis là. On trouve pas mal de loot. Hein.
assez chiant avec la régène de vie à cause des cristaux. Hein. Un mouet encore. Ça serait bien que je trouve le shortcut. Ça serait bien que je trouve le shortcut d'abord. Yeah.
merde. J'aurais dû garder deux pour ça. C'est pas grave. Super. Un Teletubbies de bordel. Par contre, pour l'attaque verticale, ça aurait été marrant que le mec il soit tranché en deux. À la verticale.
Oui, j'ai récupéré tous les Kodama. Bon, pas compliqué avec le casque. Enfin, avec le. C'est pas le casque, mais c'est pareil. Ok, déjà toi tu te il aura pu. Et pour l'instant j'ai pas d'autre casque. Je te rassure, mon armure me plaît pas plus que ça.
Ah bah d'accord, super. Et en plus, je tombe dans un trou que j'avais même pas vu, tu sais. Magnifique. Magnifique. Qui était pas prévu comme ça. Oh merde. Super. Exactement ce que j'avais pas envie. En plus, tu vas me dire, j'espère que les cristaux ils vont pas avoir repop parce que sinon je vais avoir utilisé mes canons pour en rêve. C'était pas du tout ce que j'avais prévu. Sur la poisse. Oh, ça va. Avec les petits, je peux.
Mais je sais pas où il y a le trou en fait. En fait, je peux très bien le gérer, le problème c'est que je sais pas où est le trou. Ils m'ont dire. Je sais pas où est le trou dans lequel je suis tombé tout à l'heure. Du coup, ça m'emmerde plus qu'autre chose. C'est un des boss que j'ai battu précédemment, mais là il est en mode foudre. Enfin, comme il était avant d'ailleurs. Sauf que bah forcément il est plus balèze puisque le niveau de la mission a augmenté et il y a un trou sur la map. Et le truc c'est que je sais pas où il est. Je le vois pas le trou en plus, c'est ça qui est chiant. Ah si, d'accord, ok, ça y est, c'est bon, je le vois. Il est tout là-bas. Faut juste pas que je me le prenne, quoi, c'est tout. Bon, bah si je suis pas obligé de me le faire, on va peut-être pas compliquer les choses pour rien. Ce troll.
Bon, du coup, on va peut-être aller au boss. Mais le boss, à part un cristal géant, là, je vois pas, là. Alors, voyons voir qu'on se prépare. Ça, je sais pas si ça va vraiment servir. L'antifoudre, ça, je pense que oui. Donc, le parchemin d'antifoudre, on va le mettre là. Eau sacrée, la pilule de puissance. C'est une amulette de terre. Ici, on va mettre une as des pinceaux. As sacré. A priori, c'est ce que je peux faire de mieux. Mais je ne sais pas à quoi m'attendre. Donc, c'est parti. Miaou. Il est magnifique. Alors, apprentissage. Ok, le feu. Ok, super griffe de ouf. Ok, d'accord. Mignon. Oh, ok, ultra speed. Ça c'était normal. Donc feu, foudre. Et bien speed aussi au passage.
Pourquoi je vais aussi haut moi, alors que le truc il est là? Merde, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Mais non! Il fait que de la merde, ce point. Alors là, dans le genre. Alors celui-là, je vais misérer. Thank you.
Ah ouais, d'accord, celui-là il ne l'avait pas fait encore. Ah, j'avais pas récupéré mes âmes non plus, c'est dommage. Mais non, mais vas-y, truc qui m'arrache la tête, quoi. Si t'es chaud. Ou t'es chaud. En fait, c'est du gros burst en pleine face, quoi.
Ah mais non, mais en plus il va jusqu'à l'autre bout de la map. Sniff. Dommage, j'aurais un Omiote disponible. Ça ferait le taf, mais j'en ai pas. Par contre, j'ai plus d'eau pour la récupération de ki, ça va être un peu emmerdant. Ça va. Victoire. Celui-là n'est pas à chier, c'est mode burst. Pourtant, il était bien gentil, ce petit chaton. これで今日の都はひとまず安泰でしょう。しかし。
ケリーとやらが家康様を狙うと申していたのが気がかりです。これで今日の都はひっ猫又殿は太平の世のためにその身を停止申した。拙僧も微力ながら力添えいたしましょう。猫又殿。Mission Crépuscule, le meilleur et le pire débloqué. Niveau 75, putain, je vais prendre. Si je le fais, je vais me prendre une raclée. Il fait 360 et là il fait 380. Ah oui, mais c'est parce que ça c'est par rareté, moi c'est niveau.
Du coup, il me faut que je rajoute une pièce quand même. On va remettre le torse. Pourquoi il me met par rareté alors que je le veux par niveau? Mais non, mais ça de toute façon, il faut que je récupère, faut que je remette l'autre. Non, ça va pas. De toute façon. Ça.
Alors ça, je vais le mettre de côté, mais je vais le retirer. Je vais le bloquer par contre. Celui-là me paraît pas mal. Oh, je ressemble de plus en plus à rien, en fait. Guerrier de l'Ouest, j'ai deux pièces du coup. C'est laid. C'est pour enlever le... Salut Dark, comment ça va? Tu te fais chier. Enfin, moi j'y galère en fait. Je me fais chier mais pas dans le même sens en fait. T'essaies de trouver un jeu qui te plairait. Ah, c'est compliqué, hein.
Là, ouais, mais moi sur mon PC il y a Black Desert, mais pas trop envie d'y retourner. Là, franchement, Dark, je peux pas te dire. Nioh, il est ultra complet, mais après, je sais pas si c'est ton genre de jeu. À ce point-là. C'est marrant, j'étais sûr d'avoir mis des cristaux ici, impossible de les retrouver. Ah, l'histoire de Nioh, elle est vraiment intéressante aussi. Après, c'est sûr que voilà, c'est une question de goût plus qu'autre chose. Ouais, bon après, tu sais, c'est une question de goût, hein, c'est comme tout, hein. Ah putain, je me suis planté, fais chier.
91 000 d'or. Non, je vais tout démanteler. またどうぞ。 Odachi, je suis au Bax, je suis un million. Va peut-être falloir que j'utilise autre chose. Ah non, là, oui, là, complètement, ouais, avec le truc blanc là en haut, c'est pourri au possible. Mais bon, au début, tu te prends pas trop la tête en fait.
Bon, quelle heure il est? 1h moins 20. Qu'est-ce qu'on fait? On continue un petit peu Nio. Enfin, quoique, moi j'ai pas mangé encore. Il va peut-être falloir que j'aille manger. Du coup, on va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, on se retrouve pour le Pigeon Live, comme d'habitude. Hein. N'oubliez pas, on se retrouvera toute la journée, je pense, avec du Destiny 2. Comme ça, on va pouvoir jouer avec Propha, que j'attendais, et puis je faisais la découverte de Nioh. Donc un petit peu de Destiny 2 demain. Il faut que j'organise un planning aussi, avec une journée sûrement coupée en deux, avec un petit peu de Nioh d'un côté, continuer les découvertes de l'autre avec Warframe, Destiny ou autre. Il faudrait que je m'organise un planning. On m'en parle. Parce qu'en ce moment, j'ai vu que Nioh n'intéressait pas grand monde. Bon, perso, moi je prends mon pied donc je m'en fous un peu. Mais c'est vrai que pour essayer de vivre du stream, c'est mieux si j'ai un petit peu plus de communauté. C'est le capuchin. Ça va et toi? Donc je ne sais pas comment je vais faire pour couper les journées en deux. Du coup, faudrait que je voie un petit peu comment je vais m'y prendre en fait. Avec stream la journée sur tel ou tel jeu et le soir sur un autre jeu. Ça va et toi? Du coup, je pense qu'on va faire ça plutôt comme ça. Sinon, voir parce qu'il y a pas mal d'autres jeux aussi qui vont arriver avec j'ai Hack GQ qui va arriver aussi. Il y a Destiny 2 qu'il faut que je continue à avancer. Warframe aussi, qu'il faut que je continue à avancer, même si je pense que je ferai l'histoire et après je verrai bien, parce qu'il y a énormément de choses à faire sur Warframe. Donc c'est un jeu qui va me prendre énormément de temps. Nioh, il y a énormément de choses à faire aussi. Donc du coup, je verrai un petit peu ce qu'il en est en fait. Donc là, on va continuer comme ça. Demain, c'est le Pigeon Live, donc on se retrouvera bah, en gros quand je me lève. On se retrouvera donc avec du Destiny 2. Et puis il y a PUBG aussi qu'il faut que je continue, parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Donc ouais, beaucoup de jeux de dispo à faire, à découvrir. Donc va falloir vouloir vraiment faire un planning. Donc du coup voilà. Bah écoutez, en tout cas merci aux gens qui ont défollow de m'avoir suivi jusque maintenant. Merci aux nouveaux viewers, merci aux nouveaux followers, merci aux donateurs. Pour les nouveaux, bah, je vous invite à consulter la catégorie info, comme d'habitude. Pour ceux qui voudraient me soutenir, vous avez le lien pour faire les dons. Vous retrouverez YouTube, Twitter, Instant Gaming, petite biographie, la config PC et plein d'autres. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, bah, n'hésitez pas à lâcher un petit follow, ça fait toujours plaisir. Et puis au moins vous serez prévenu des prochains streams et de leur contenu. Sur ce, bah, je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée, une bonne nuit pour certains. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain pour le Pigeon Live. Ciao, ciao!